juste à 45 minutes et 30 secondes. Schweinsteiger prend un avertissement et il y aura pénalty. Alors on va revoir. On a revu, regardez l'intervention de Schweinsteiger, très franchement, je ne suis pas sûr qu'il ait la touche, mais il fait le geste incontestablement, il est en retard sur Evra, et c'est un avertissement et un pénalty, et Özil qui aussi effectivement a semble-t-il reçu un carton jaune, en tout cas il y a eu une... parce qu'il a dégagé le ballon de tribune. Et pénalty pour l'équipe de France. On est déjà à la 47e minute. Pénalty pour Griezmann. Et ça fait 1-0 pour l'équipe de France. 47e minute. Sans tentative, ni l'un porté ni l'autre. Personne n'était tranquille. C'est typique sur un accroc. Si la main a été touchée, on va tout changer, car ça sifflait certainement pas l'arbitre but. Il a donné ses instructions à M. Rizzoli. Eh bien, ça va nous donner le sacré de l'ennemi. Disons qu'il y a un peu d'injustice quand même. On pourrait penser que les Allemands, je ne suis même pas sûr qu'ils la touchent. Il fait le geste. C'est clair, il est en retard et il fait le geste. Juste avant, il y a Draxler qui est enlacé, ouais. L'arbitre ne dit rien, et là,